Bonjour à tous les étudiants du cours de langue et civilisation méroïtique de l'EPHE et bienvenue aux visiteurs de passage. Eh bien, nous avons ici, avec ces noms du cheval en Afrique, notre dernière leçon distanciée de l'année universitaire. Une année universitaire très troublée par différentes crises et j'espère qu'il n'en sera pas de même l'année prochaine. Donc nous allons étudier la diffusion à la fois du cheval en Afrique et puis également du vocabulaire qui le désigne et qui va de pair, évidemment. Le cheval est quelque chose de particulier en Afrique par rapport à pas mal d'autres espèces animales, dans la mesure où il a une introduction exogène. Il vient du Proche-Orient. Il est en cela différent des bovins, par exemple, dont on estime qu'il y a plusieurs foyers de domestication, mais qu'en tout cas il existe un foyer local de domestication en Nubie. Et puis l'âne, par exemple, lui n'a pas été domestiqué en Nubie, mais en Égypte, très probablement, avec de premières attestations d'ânes domestiqués dans la banlieue du Caire, à Mahdi, vers 4000 avant Jésus-Christ. D'autre part, il ne s'agit pas d'un animal comme les autres. C'est un animal de luxe que seuls les riches et les puissants peuvent se permettre de posséder et d'entretenir. Et puis aussi, c'est un animal, évidemment, qui est dédié à la guerre et qui concerne donc l'aristocratie. Alors cela, il est évidemment très très différent du mouton ou de la chèvre. Enfin, il est lié à des cultures qui très souvent sont des cultures écrites. Qu'il s'agisse du Moyen-Orient, qu'il s'agisse de l'Égypte, d'autres régions de la Méditerranée, nous avons cette possibilité ici, du fait qu'il a été utilisé par des civilisations lettrées, nous avons donc la possibilité de remonter dans le temps et d'avoir une profondeur historique bien plus grande que pour d'autres mots. En Afrique, il y a eu 4 introductions du cheval. En gros, hein. Donc une introduction première vers 1700 dans la vallée du Nil, ensuite vers 800 avant Jésus-Christ, une introduction donc dans Tunisie par les Phéniciens, et puis ensuite vers 800 de notre ère, une introduction donc dans le Sahel et également sur la côte Swahili par les Arabes. Et puis enfin, vers 1500, une dernière introduction dans certaines zones qui ne le connaissaient pas encore, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, par les premiers colons européens qui étaient les Portugais. Alors commençons donc par l'Égypte, et il semble bien que le cheval ait été introduit par les Hyksos, qui sont un peuple cananéen qui s'est emparé du nord de l'Égypte vers 1680 avant Jésus-Christ. Alors, cette introduction du cheval est régulièrement contestée, mais en fait, rien ne la remet véritablement en question. Donc, le royaume Hyksos a envahi ce qui était le royaume indigène d'Égypte, qui subsiste en fait sous forme des deux dynasties, 16e et 17e dynastie, du royaume Thébain, qui est donc limité à la Haute-Égypte. Au sud se trouve le royaume de Kerma, nous sommes à ce moment-là, sur ces époques-là, au Kerma moyen, et c'est un royaume extrêmement puissant, comme le royaume Hyksos, si bien que les Thébains sont un peu pris en tenaille entre ces deux puissances qui de plus passent des alliances et ont une correspondance diplomatique par la route des oasis, cette route que vous voyez donc sur l'ouest du Nil, qui commence au Fayoum, et qui se termine donc dans l'oasis de Selima au Soudan, après Harga, et qui permettait donc d'entretenir de la correspondance, comme nous le savons d'ailleurs, par les annales des rois thébains. Donc ce sont les Hyksos, très probablement, qui ont introduit le cheval, qui était bien connu déjà depuis l'époque sumérienne au Proche-Orient, en Égypte. Alors une des preuves également, c'est que ce n'est qu'à la fin de la 17e dynastie et sous la 18e dynastie, c'est-à-dire au moment de l'effondrement du royaume Hyksos sous les coups des Égyptiens,
que apparaissent les termes de char et de cheval. Le char de guerre, ou Rérite, apparaît pour la première fois dans l'autobiographie d'Amosé, fils d'Abana, qui a été donc un des capitaines qui ont participé à toutes les campagnes des premiers rois de la 18e dynastie pour chasser les Hyksos d'un côté et pour s'emparer du pays de Kouch de l'autre. Le terme de cheval y apparaît, mais dans d'autres inscriptions également, sous la forme Sesemet. Alors, c'est un terme qui est emprunté et il semble assez logique, si vous voulez, que souvent on emprunte le mot en même temps que l'innovation technique. Et le terme donc Sesemet vient très probablement d'une langue proche de l'héblaïte ou du vieil acadien, Soussoum, avec une unation à la fin, mimation, pardon, qui correspond donc particulièrement à ces formes de sémitique. Le cheval, donc, à cette époque, est essentiellement attelé. Donc, il n'y a pas de cavalerie encore, on a une charrerie, et on voit cela très très bien dans la tombe d'un grand général, le général Horemheb, qui s'est fait faire donc une première tombe à Saqqara alors qu'il était général de Toutankhamon, et qui ensuite est devenu roi, si bien que cette tombe finalement n'a pas été utilisée. Mais elle comporte des reliefs absolument extraordinaires, hein, qui sont dans la continuité de l'art amarnien et qui sont effectivement extrêmement réalistes, souvent, comme vous voyez par exemple ce cheval, qui vient toujours de la tombe de Horemheb, ce cheval qui est monté et la position, le corps du cavalier n'est absolument pas académique par rapport à l'art égyptien classique. Donc c'est une position assez rare, hein. Comme vous voyez, elle n'est pas adoptée évidemment pour la guerre, où on se contente de la charrue, et on monte un petit peu comme sur les ânes, c'est-à-dire sur l'arrière-train du cheval. La charrerie s'effectue normalement avec un attelage de deux chevaux, un char, et dans le char se trouve normalement le guerrier et un conducteur, hein. Ici, évidemment, c'est un extrêmement connu d'un coffre de Toutankhamon, hein, où on voit Toutankhamon chargeant des Nubiens, hein, enfin des Nubiens, des Kouchites. Une scène absolument totalement non réaliste. Le roi est seul sur son char, il n'y a personne pour le conduire. Hein. Et puis d'autre part, les guerres contre Kerma étaient terminées depuis très longtemps, au moment de l'accession au trône de Toutankhamon, qui n'a jamais eu besoin de faire campagne en Nubie. Donc le terme qui désigne la paire de chevaux qui tracte le char est Kheter, qui au départ désigne des jumeaux et qui ensuite désigne une paire de cheval. Eh bien ce terme aurait quasiment disparu s'il n'était pas conservé dans une seule langue qui est le Bedja. Donc les Bedja, dont les ancêtres étaient Medjay, qu'utilisaient les Égyptiens comme policiers, hein, le terme de Medjay avait fini par désigner des policiers, quelle que soit leur origine ethnique. Eh bien, cette familiarité avec la civilisation égyptienne fait qu'aujourd'hui encore, les Bedja, qui sont donc des nomades de la mer Rouge au Soudan et en Érythrée, utilisent le terme ancien de Kheter, où le R avait disparu depuis très longtemps, sous la forme Hatay. Et c'est la seule descendance de ce mot égyptien. Alors, venons donc au Soudan lui-même, plus exactement à la civilisation de Kouch. Et durant la colonisation égyptienne, il ne semble pas que les Kouchites aient véritablement utilisé les chevaux. Hein, nous voyons ici effectivement un char, qui est une importation égyptienne, qui promène une princesse Kouchite, mais il est attelé à des bœufs. Alors, pourtant, le premier cheval retrouvé dans la vallée du Nil l'a été dans la forteresse de Bouhen, dans les fouilles de Emery, du Britannique Emery. Ces fouilles ont permis donc de mettre à jour le squelette d'un cheval qui aujourd'hui se trouve dans les collections londoniennes. Et ce cheval, étant donné la stratigraphie où il a été trouvé, a été daté de façon assez précise
aux alentours de 1675, ce qui le fait apparaître en fait pratiquement au moment où les Hyksos s'emparent de la Basse-Égypte. Alors ça a été également contesté, mais des études assez récentes, qui sont malheureusement pas appuyées sur, par exemple, sur du carbone 14, parce qu'il n'y a pas, il reste plus suffisamment de collagène pour pouvoir appliquer cette méthode-là. Mais bon, des différentes raisons font que pour l'instant, on n'a rien qui nous fasse totalement douter qu'il s'agisse effectivement de la plus ancienne attestation du cheval dans la vallée du Nil. On l'aurait certes attendu plutôt en Basse-Nubie, par exemple près d'Avaris, la capitale aujourd'hui Taleb Daba, la capitale des Hyksos, mais non. Hein, on a des chevaux, récemment retrouvés d'ailleurs à Taleb Daba, qui sont presque aussi anciens, mais pas tout à fait. Par la suite, les Kouchites, une fois les Égyptiens partis, vont se mettre à l'élevage du cheval et à son utilisation, y compris à la guerre, de manière extrêmement efficace. Les armées de Pyankhi, par exemple, le premier roi à avoir conquis l'ensemble de l'Égypte, comme il le raconte dans cette stèle de la victoire, est en relation directe avec le cheval, comme vous pouvez le voir d'ailleurs par l'apparition d'un cheval sur la lunette, ce qui est extrêmement rare, sur la lunette de la stèle. Alors sur cette lunette de la stèle, on voit le cheval amené donc par un hicko, par le petit roi d'Hermopolis, hein, ces roitelets qui ont été défaits par Pianchi, qui est de plus humilié parce que c'est lui qui joue du sistre comme une femme et que sa propre épouse se trouve devant lui, plus grande que lui, hein, et que c'est elle qui salue le roi Pianchi. Alors pourquoi humilier à ce point le pauvre Nimloth? Eh bien parce qu'il a commis l'irréparable, il a affamé ses chevaux pendant le siège d'Hermopolis, pendant que Pianchi faisait le siège de sa cité. Et voici ce que dit Pianchi dans les lignes 64-66, c'est un texte extrêmement fameux, de ce texte généralement qui a une connotation littéraire qui a été remarquée dès sa découverte. Sa Majesté s'enfuit vers les écuries des chevaux et les quartiers des poulains. Quand elle vit qu'on les avait affamés, elle dit: Aussi vrai que je vis, que Ray m'aime et qu'il régénère de vie mes narines, que cette douleur dépasse dans mon cœur tous les forfaits que tu as ourdis depuis le tréfonds de ton âme d'avoir ainsi affamé mes chevaux. Alors comment comprendre ce mais? Eh bien peut-être en fait ces chevaux lui avaient-ils été offerts par Pianchi. Les Kouchites s'étaient spécialisés dans l'élevage de chevaux de grande taille, particulièrement appréciés en Égypte et au-delà, puisque roi Osorkon IV, petit roi de Tanis, très peu de temps après, offre donc en guise de cadeau diplomatique, mais c'est évidemment perçu comme un tribut, au roi assyrien Sargon II un certain nombre de chevaux qui sont remarquables par leur race et par leur taille, hein, d'après les textes des annales de Sargon. Et il s'agit très probablement de chevaux couchites. Donc il est assez possible que les chevaux de Nimloth aient été offerts par Pianchi, voire par son prédécesseur, ou du moins qu'ils en descendent. L'importance du cheval et l'attachement qu'on a pour ces animaux se révèlent par le fait que les rois de la 25e dynastie se font enterrer entourés de leurs chevaux. On a ainsi des sépultures allant jusqu'à 8 chevaux pour le roi Shabako ici et pour le roi qui l'a précédé, Shabatako. Et vous voyez ici donc la photo de fouille de la découverte d'un de ces chevaux. Alors ces chevaux sont enterrés en fait en position debout, hein, et la fosse a été arrangée pour effectivement que on ait un endroit plus profond pour les membres antérieurs et postérieurs. Donc c'est l'époque en fait où la charrerie va petit à petit être abandonnée pour la cavalerie. Alors la cavalerie, c'est quelque chose, nous avons vu effectivement de la monte de cheval accrue dans la tombe de Remeb bien plus tôt, hein, mais c'est quelque chose qui n'était pas encore pratiqué à la guerre.
Donc, avec les armées assyriennes, c'est effectivement la cavalerie qui va se développer grâce notamment à l'invention de la selle, hein, qui permet donc un meilleur équilibre lorsque on a à manier l'arc ou la pique. Alors le fait que juste les rois en Nabatéen, par exemple, se mettent également à monter les chevaux, nous est attesté plus tard, de manière indirecte, dans la stèle du roi Nabatéen, Nastassène, hein, le dernier roi Nabatéen, vers 320 avant Jésus-Christ. Donc voici ici la stèle conservée à Berlin, qui constitue les annales de son règne. Eh bien, aux lignes 8-9, nous avons la mention de son voyage depuis Méroé, qui était à ce moment-là la capitale administrative, jusqu'au Djebel Barkal, la capitale religieuse, où il va être couronné. Et il se débrouille pour aller très vite. Et en fait, les 350 km de piste, hein, c'est à peu près 280 à la vol d'oiseau, mais par les pistes c'est plus évidemment, sont couverts en fait, d'après le texte, en une journée et demie. Eh bien, cela n'est possible, absolument impossible évidemment avec un âne. Hein. Le char ne peut pas vraiment être utilisé sur des zones de wadi, de sable, de montagne, etc. Et donc, il est évident que le roi a monté des chevaux, qu'il s'est arrêté donc dans un lieu d'ailleurs. Une oasis qui se trouve au milieu, que nous connaissons, et qui est citée par son nom ancien, et puis qu'ayant probablement changé pour des chevaux frais, le lendemain, il a repris sa course jusqu'au Djebel Barkal.